au fait le vecteur pour canaliser les attentes de la population. Et l'Assemblée nationale, dans ses missions, est là. D'abord, pour s'assurer si dans son programme d'investiture, Madame la Première ministre a tenu compte de ces désirs. Est-ce que toutes les contrées du pays, toutes les provinces, toutes les questions, en commençant par la question sécuritaire, la question du quotidien, du social du Congolais, des infrastructures de base, la question de conjurer ce sort de malédiction de nos ressources naturelles qui nous attirent les ennuis. Comment on peut faire, et nous savons comment on peut le faire pour que désormais ces ressources naturelles constituent non seulement une chance pour le Congo, pour l'Afrique et pour le monde, parce que nous sommes au cœur de la transition énergétique. Et pour toutes ces raisons, nous devons restituer à la Chambre basse ses lettres de noblesse, au député national sa dignité et son honneur. Croyez-moi, ça sera fait.